Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de métavers. Vous ne savez pas ce que c'est, et moi je ne savais pas non plus. En méta, oui, c'est ce qui est au moins au-dessus. Il semble que ce terme a été inventé par un Américain qui crée des bandes dessinées et des documentaires. Donc c'est le premier qui a employé ce vocable. Et pour en parler, c'est Pierre-Yves Pérez, qui lui a une formation, double formation de sociologue et d'économiste, qui s'intéresse justement au métavers et donc à l'utilisation de ces outils barbares numériques qui servent a priori à se projeter dans le temps, dans l'espace, et à communiquer avec des personnes qui ne seront pas à proximité. Si je dis des bêtises, tout le monde. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du métavers, et je crois que nous allons apprendre plein de bonnes choses. Alors c'est pas un asticot qui se promène, hein, c'est pas un super asticot, mais peut-être que vous avez déjà vu des lunettes virtuelles. Et non, il y a un peu de ça aussi. Mais Pierre-Yves va vous raconter tout ça. Merci d'avoir accepté de participer à notre programme. Merci pour votre accueil. Bonne conférence. C'est une histoire qui commence en 2010. Le quartier des Pins à Vitrolles, je ne sais pas si vous connaissez Vitrolles, était classé déjà à l'époque quartier grande pauvreté. On intervenait dans les associations qui s'occupent de l'insertion des jeunes, des adultes, l'accompagnement des primo-arrivants. Donc il y avait tout un tissu associatif qui existe encore, hein, qui s'occupait des jeunes, des adultes, des jeunes en échec scolaire, mais aussi des adultes en reconversion, etc. Donc on était un petit peu là-dessus. Donc déjà à l'époque, j'intervenais au niveau de l'éducation populaire à partir d'une structure qui rassemble des techniciens, des chercheurs. Et en gros, l'idée, c'était d'installer dans ces structures d'accompagnement du RERS. Donc le RERS, c'est un des piliers de l'éducation populaire aussi, hein. Ce sont les réseaux d'échange réciproque de savoir. L'idée, c'est de faire en sorte que les individus qui sont en formation s'échangent entre eux des savoirs. Vous savez que l'ancrage des savoirs se fait quand on le manipule. Donc ce n'est pas forcément faire des exercices, ça peut être le fait de donner un savoir à un collègue, qui le donne à un autre, etc. Et donc on faisait ça, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des jeunes, ils s'échangeaient des savoirs entre eux, des savoirs éducatifs, hein. Ils y réapprenaient les éléments de base de l'école, mais il y avait des adultes en reconversion qui s'échangeaient aussi des savoirs, etc. Et quand on fait des réseaux d'échange réciproque de savoirs sur des territoires, sur plusieurs associations, il existe un moment où on mutualise, c'est-à-dire on fait un gros réseau, c'est-à-dire on met en relation, et ça a du sens en fait, hein. Ça a du sens parce que les jeunes étaient intéressés à parler, à discuter avec des personnes qui avaient une vraie expérience professionnelle pour faciliter leur orientation, et les adultes étaient intéressés par les technologies de jeunes. À l'époque, c'était le téléphone, personne ne savait s'en servir, et avec les jeunes qui savaient faire des trucs. Et quand on a voulu les mettre en réseau, les jeunes, les adultes, les primo-arrivants, etc., ils ont dit non. Ils habitaient tous le même quartier, c'était très communautaire, différentes communautés, etc. Quand il s'agit de se rencontrer, de travailler ensemble, de faire des échanges ensemble, c'était pas possible. C'était pas possible à cause des questions d'âge, de différences culturelles, de ce qui se pouvait se raconter dans le quartier, etc. Et il a fallu réfléchir à trouver un lieu où les gens puissent venir, se rencontrer, se parler, travailler ensemble, sans s'exposer, sans se mettre en danger. Et donc c'est à cette époque, 2010, même un petit peu avant, 2008, où on a commencé à réfléchir à ce que pouvaient être ces tiers-lieux numériques. Donc moi, je suis économiste sociologue, donc j'ai fait mes études au laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix-en-Provence, et j'ai créé une première association d'appui à la formation à l'éducation populaire, et ensuite j'ai créé en 2016 une société pour promouvoir ce qui allait devenir une expérience métavers appuyée par la recherche pour l'éducation nationale.
Donc en gros, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un petit peu cette aventure, c'est comment on va utiliser une technologie qu'on appelle métavers. Je vais vous expliquer comment déjà, et l'intérêt qu'elle apporte en matière de formation et en matière de pédagogie, surtout pour les publics les plus en difficulté. Donc c'est ça un petit peu ma proposition ce soir. Et si on a un peu de temps, on parlera peut-être des dangers de la chose. Ça vous va ? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que Internet évolue. Donc vous avez un tableau ici qui avance comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un premier Internet, le début du web, en 91. On avait des feuilles, on est sur des pages, hein, un format page sur un écran d'ordinateur. On a des... Je vous passerai le document, j'imagine que là, vous avez du mal à lire. On était sur quelque chose de relativement passif. Il a fallu attendre ce qu'on a appelé le 2.0, le web 2.0, pour avoir des sites avec des blogs, la possibilité de réagir, de discuter, de mettre son opinion sur des sites, et ensuite sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire, on est carrément sur quelque chose d'un petit peu révolutionnaire. C'est la possibilité pour les personnes d'aller échanger, partager, réagir par rapport à des contenus. N'importe qui, pas au début, hein, mais très rapidement, beaucoup de gens ont eu la possibilité de développer leur propre site Internet. Donc ça a été un petit peu une révolution. Et on a basculé sur ce qu'on a appelé le web 3.0. C'est ce qui se caractérise beaucoup par l'utilisation, vous en avez entendu parler, du big data. C'est-à-dire toute la collecte de données qui se fait quand vous allez sur Internet. Et donc, vous êtes profilé. On en reparlera tout à l'heure à propos du Web 4.0. C'est-à-dire que vous êtes identifié en tant que consommateur type, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que vous recevez de la publicité personnalisée, etc. Et pour ceux qui connaissent, c'est Bernard Stiegler, en 2016, je crois, hein, qui avait sorti un bouquin qui s'appelle « De la disruption ». Où il nous dit que ça représente un danger létal. Hein, c'est-à-dire que cette mécanique numérique qui fait que l'algorithme anticipe sur vos besoins, c'est-à-dire sur vos envies, sape la mécanique d'envie, de désir. Ce qui est en commun avec la dépression, hein, c'est-à-dire que c'est... Et Stiegler dit, argumentant et documentant son propos d'un tas de suicides, de meurtres, etc. Et donc voilà pour ce qui est du Web 3.0, et on arrive à une technologie qui est le 4.0. Donc on va aussi évoquer le métavers, c'est-à-dire une technologie numérique. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais je pense que vous avez tout ça un petit peu en tête. Donc ce sont des images de notre plateforme, de nos expérimentations. Je l'ai fait tourner, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est complètement la technologie du jeu multijoueur en ligne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, vous avez vu sûrement des publicités. Vous avez un joueur qui est derrière son ordinateur. Il s'abonne à un jeu, il paye. Il crée un avatar qui le représente dans le monde et il va pouvoir manipuler des dispositifs. Alors là, vous êtes sur quelque chose qui est complètement pédagogique parce que celui qu'on a créé, il a vocation. Donc on travaille pour l'éducation nationale et pour l'université d'Aix-Marseille et pour des laboratoires de recherche. Mais la mécanique, si vous voulez, est la même. On est sur ce qu'on appelle des mondes virtuels. Donc vous vous connectez via votre ordinateur à une installation et vous avez un avatar qui vous représente. J'aimerais bien qu'on ait une image. Oui, par exemple, je ne sais pas si je peux arrêter là-dessus. Donc là, parce qu'on a travaillé avec des laboratoires. Donc on est accompagné par 7 laboratoires de recherche en psychosocio, didactique, neurosciences et logistique. Et en gros, si vous voulez, l'idée, c'est... Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que je peux arrêter la vidéo ? Oui, je crois que oui. Ah, presque. C'était un petit peu avant. Voilà. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que je suis représenté dans le monde par un avatar. Et comme vous avez pu le voir sur un certain nombre d'images,
en fait, on est plusieurs. Donc on appelle ça les jeux multijoueurs. Et je crois que j'ai là aussi des images un peu plus... Voilà. Alors je vais passer en plein écran et c'est... Attendez. Voilà, si vous voulez, l'intérêt de la technologie, voilà, j'y reviens, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que je vois mon avatar dans le monde et il est au milieu des autres et on va pouvoir discuter, travailler, consulter des documents ensemble, etc. Et c'est ça, les mondes virtuels. Et si je vous montrais tout à l'heure le tableau sur l'évolution du web, hein, web 1, web 2, web 3, web 4, c'est parce qu'aujourd'hui, cette technologie du monde virtuel qui est promue par les jeux multijoueurs en ligne, c'est la première économie mondiale. En France, c'est 38 millions de joueurs. Enfin, je ne sais pas si 38 millions par rapport à la population entière. Je veux dire, on a plus que la moitié. Quand je dis que c'est la première industrie mondiale, c'est en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'usage, avec cette ambition de dire « tout le monde doit jouer ». D'accord, c'est d'emmener, et effectivement, ça, nous, on le constate parce qu'on travaille beaucoup dans les établissements scolaires. Vous avez des jeunes au collège, ça ne les intéresse pas plus que ça, hein, d'aller jouer en ligne. Mais quand, dans la cour de récréation, le premier sujet de discussion de vos camarades, c'est le jeu auquel ils ont joué la veille, ils ont gagné, etc., et ben c'est une vague culturelle, hein, et donc vous rentrez dedans, sinon on est dans des mécaniques de distinction, d'exclusion, et donc voilà, c'est une vraie machine qui emmène énormément de monde via le jeu multijoueur en ligne, et avec le coup un petit peu de Zuckerberg, donc le patron de Facebook en novembre 2021, qui lui propose que son réseau social, Facebook, soit de type métavers, c'est-à-dire dans un monde virtuel. C'est-à-dire que vous allez sur votre réseau social, où vous avez tous vos amis, vous voyez ceux qui sont connectés, etc. Mais là, d'un coup, vous basculez dans une configuration où vous les voyez, vous voyez leur corps, hein, vous vous déplacez dans un environnement ensemble, vous parlez, éventuellement vous écrivez, et vous pouvez interagir avec des objets. Voilà, ils vous parlent, hein, mais vous voyez qu'il y a des tableaux, il y a des objets derrière, etc. Donc c'est l'idée de basculer du réseau social vers quelque chose de beaucoup plus immersif. Et donc on est dans des mondes virtuels qui rassemblent des populations et on appelle ça le métavers. Bon, c'est une démarche assez originale que Zuckerberg a portée là, hein, puisque du coup il n'a pas mis en avant la technologie à travers les algorithmes et éventuellement les supports, comme le casque, etc., il a fait appel à un concept de science-fiction dont une première apparition de Stevenson en 92, je crois, hein, dans Snow Crash. C'est du cyberpunk, hein, ce sont des romans qui mettent en perspective des sociétés un petit peu futuristes, mais où il y a une vraie cassure économique. Hein, je veux dire, vous avez les populations sont en exode dans les villes, sur les mers, etc. Et dans ce cadre-là, il existe quand même des systèmes de relationnels et pédagogiques qui se font sur Internet, mais dans des environnements de ce type-là. Ils sont appelés, ils sont désignés sous le terme de métavers, dans la mesure où l'ambition, si vous voulez, c'est de dire, et c'était l'ambition de Zuckerberg, hein, pour Facebook, c'était de dire, alors qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur Internet, quand vous allez sur votre ordinateur, vous avez une page, d'accord, vous avez une page, et vous pouvez décider d'aller jouer, ou d'aller consulter un site, ou d'aller faire vos courses, ou consulter vos comptes bancaires, etc. L'idée, c'est que quand vous rentrez là sur Internet, vous rentrez directement dans quelque chose d'immersif et de partagé. Si vous voulez vous isoler, mais comme dans la rue, si vous voulez vous isoler, vous allez dans un bar tout seul, etc., virtuel, hein. Ou sinon, vous allez dans un magasin, un magasin virtuel faire vos courses, ou dans un musée, il y a des gens, c'est-à-dire vous êtes systématiquement dans des espaces publics, il est là le projet métavers, si vous voulez. Avec tout ce que ça peut avoir d'inconfortable et les ressorts un petit peu critiques, un peu dangereux sont là aussi, on va en parler. Donc voilà en gros cette histoire de métavers. Donc c'est un petit peu un coup
commercial qu'il fait en exhumant un concept qui vient de la littérature et qui sème un certain flou, parce que du coup, il n'y a rien qui définisse très exactement le métavers. Ça fait référence à un concept littéraire. L'idée quand même qui est présupposée, c'est qu'on est dans des mondes virtuels, et ça c'est une technologie, comme je le disais tout à l'heure, qui est portée, donc c'est la première économie mondiale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de supplanter le support page d'Internet et qui va un petit peu s'imposer à nous dans les années qui viennent. Et donc l'idée avec les laboratoires de recherche qui nous accompagnent, c'est d'explorer à la fois les potentiels, et il y en a, on va en parler, mais peut-être d'identifier les dangers de ce type de technologie. Il y a des joueurs en ligne dans la salle? Il y a des gens qui jouent en ligne? Non, ça vous est un petit peu étranger, hein, ces histoires d'avatar. Mais vous avez vu des joueurs en ligne? Vous savez ces ados qu'on appelle pour qu'ils viennent manger, d'accord, et qui descendent jamais de leur chambre? Et des plus vieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu en ligne, il y a toute une technologie de l'attention qui a été développée. Hein, c'est-à-dire que y a des chercheurs hein, qui bossent là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le jeu, il y a, on appelle ça le gameplay, hein, c'est-à-dire vous jouez, et puis le système voit que votre attention se relâche, il va se passer des choses dans le jeu qui vont vous rattraper. Et d'ailleurs, ça a beaucoup été critiqué. Vous avez des jeunes, quand ils se déconnectent pour aller manger ou pour aller faire leurs devoirs, etc., il y a des messages qui arrivent sur leur téléphone en disant « T'es où là ? Il y a tes copains qui sont en train de perdre la guerre sur Jupiter et on a besoin de tes armes, etc. » Donc il y a des systèmes de rappel. C'est Fortnite qui avait été... Fortnite, c'est le deuxième jeu le plus joué au monde. Avait été rappelé à l'ordre parce que les consignes de jeu, quand vous jouez à un moment donné, on vous donne un challenge, hein, je veux dire, pour gagner, etc., arrivait à minuit. Donc, vous imaginez, vous avez un jeune lycéen, collégien, lycéen, il va attendre minuit pour avoir les consignes de jeu. Parce que s'il attend le lendemain quand il revient de l'école, c'est mort pour lui. Vous imaginez, il dit 18h. Tout est passé, etc. Et donc vous avez un gros problème de jeunes qui passent une partie de leur nuit à jouer. Et ça, ce sont les enseignants qui nous le racontent. Hein. C'est-à-dire que quand ils les récupèrent, eux, au collège ou au lycée, ils ont dormi 2 heures. Voilà. Donc vous avez derrière ces technologies-là une vraie technologie de l'attention. C'est-à-dire qu'ils arrivent à capter l'attention dans le jeu. Et quand la personne se décodec pour la faire revenir. Pardon, vous vouliez... Oui, c'est une économie virtuelle. Alors, c'est une économie virtuelle, c'est une économie qui... C'est pas le PIB, alors, qui ne figure pas le... Ah si. Ah, c'est le premier chiffre. C'est bien, bien devant l'industrie automobile. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais au niveau mondial, c'est la première économie mondiale. Et avec un taux de croissance à 2 chiffres depuis 2005. C'est-à-dire, ça n'arrête pas. Et en plus, il se passe un truc, c'est que ces jeux sont, je vous montrerai quelques images tout à l'heure de jeux un peu plus communs, sont des jeux de plus en plus waouh, hein, de plus en plus réalistes, avec des décors, avec des systèmes d'interaction de plus en plus visuels, etc. Et donc ça fait appel à du matériel derrière. Il faut des ordinateurs qui sont, c'est pas le bas de gamme, hein, il faut des ordinateurs un peu plus puissants, avec des écrans d'une certaine qualité, et si vous voulez jouer avec un casque, c'est 400 $, hein, enfin, les casques de réalité virtuelle que vous avez pu voir, les ordinateurs, c'est minimum 2 000 €, un ordinateur qui tourne, hein, qui est capable de faire tourner un jeu, etc. Et donc, cette technologie permet à ces jeux de tourner, et du coup, ils deviennent de plus en plus exigeants. Et ils font marcher toutes les... Donc en fait, vous avez plusieurs économies. Vous avez l'économie du jeu en ligne et vous avez l'économie du matériel, enfin, des ordinateurs, des casques, des écrans. Alors il y a les souris, les pads, etc. Vous avez tous les leviers. Et après, vous avez les consoles de jeu et après, vous avez les jeux sur téléphone, etc. Enfin, ben, ça embarque, si vous voulez, toute une économie. Bon, la France est présente, hein, si vous voulez. Mais là où c'est dommageable un petit peu, on va y revenir, c'est que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est que dans l'économie de l'attention, les personnes fragiles, alors on va parler des enfants, enfin, je veux dire, mais d'une manière générale, sont soumises à un choix qui est soit de faire ses devoirs,
soit d'aller manger avec les vieux, soit d'aller faire la guerre sur Jupiter avec ses copains. Et là, on a un problème. Alors, donc l'idée, ça a été de proposer à ces mêmes ados des environnements sur ce type de technologie, sur ce type d'environnement pédagogique. Donc voilà un petit peu le en gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et si vous voulez, toute l'idée est là, c'est de dire, on va développer une technologie pédagogique, donc on va faire des enseignements pour les élèves, mais il faut qu'on soit concurrentiel avec ces fameux jeux en ligne, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, et en même temps, on a besoin de les faire collaborer, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'ils apprennent, enfin je veux dire qu'ils soient dans une démarche éducative. Et donc c'est là où on va rencontrer la technologie qui permet ça, c'est-à-dire le métavers, mais dans une version qu'on va appeler multiconstructeur, en fait, et vous voyez qu'on rejoint là les valeurs de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des environnements de jeu en ligne dans lesquels ils peuvent construire le jeu. Dans ces jeux-là, ils vont pouvoir construire des installations, etc. Alors, une expérience que je peux vous relater, qui est une expérience marseillaise, c'est un cours de maths qui est fait par un enseignant qui dit à ses élèves « Vous allez me construire la salle de maths dans laquelle on va faire cours. » D'accord ? Donc les élèves se mettent sur leur ordinateur, donc on est au collège, hein, vous imaginez, ils vont sur la salle informatique, et vite des murs, des chaises, des tables, des fenêtres, etc. Ils construisent la salle de maths. Ben, elle est moche la salle, hein. Nous on fait travailler des professionnels si vous voulez, hein, quand on fait des bâtiments, etc. D'ailleurs des architectes aussi. C'était amusant le clin d'œil par rapport au lieu d'intervention aujourd'hui, hein, puisque je connais bien l'histoire de Pouillon, enfin voilà. Il y a une démarche architecturale quand on fait ce genre de jeu. Et donc là, on a des expériences pédagogiques où on dit aux élèves, vous construisez la salle de maths dans laquelle vous allez avoir votre cours de maths. Et au bout d'une demi-heure, l'enseignant vient, en virtuel, avec son avatar, et il fait son cours de maths. Mais le niveau, vous imaginez que le niveau d'attention des élèves dans cette salle de maths qu'ils ont fabriquée, eux, il est énorme. C'est leur salle. C'est-à-dire le niveau d'attention qu'ils vont prêter aux profs est juste inouï par rapport à ce qui se passe d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, le premier problème dans les collèges et dans les lycées, j'ai utilisé le mot plusieurs fois, hein, c'est en l'économie de l'attention, c'est l'attention des élèves. Et donc on cherche des stratagèmes pour justement capter l'attention. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éditeurs de jeux en ligne. Est-ce que vous avez une idée du temps d'attention disponible d'un collégien ou d'un lycéen par jour? Imaginez que vous êtes prof. On a travaillé par exemple avec le lycée Saint-Exupéry, le lycée des quartiers nord de Marseille, je ne sais pas si vous... Donc vous êtes prof de gestion en bac pro, gestion, d'accord, et vous avez des élèves 7 heures par jour. Question à votre avis. C'est des stats nationales, hein, c'est... Quelle est la durée, le temps d'attention disponible d'un élève par jour de classe? Allez, on joue. 4 heures. Pardon, 4 heures? Oui, 2 heures. 2 heures, moins. Qui dit moins? Tu dis une. C'est 5 minutes par heure, 5 fois 7, 35. Allez, moins d'une heure. Statistique nationale. Hein. Je crois que c'est avec l'étude PISA qu'ils ont sorti ça. 20 minutes. 20 minutes. Vous imaginez, vous êtes prof, d'accord? Vous avez en face de vous 25, 30 élèves. Toute la journée, ils ont 20 minutes de temps d'attention. Et pas en même temps. D'accord? Et donc tout le monde est réfléchi. Et donc on travaille avec des... Vous avez des enseignants qui font des trucs absolument formidables. D'ailleurs, pas forcément dans le numérique. Hein. Vous avez une enseignante qui s'appelle Caroline Cohen. Elle a fait un truc, elle a fait une espèce de tente. C'est un géodésique, c'est un, je sais pas, une structure de tente sans toile. Hein. Et elle mettait ça sur le vieux port. Elle mettait toute sa classe avec des chaises, hein, ils étaient tous sur le vieux port, et elle faisait son cours. Ils étaient assis dans une espèce de tente où il n'y a que des fenêtres, hein, vous imaginez, sur le vieux port. Et donc les gens, ils passaient, ils regardaient par là.
par le truc. Ils disaient, mais c'est quoi ça? Et donc, les élèves, ils étaient sans arrêt distraits par les passants. Mais en fait, elle les a mis dans une mécanique où ils devaient forcer leur attention et elle avait un meilleur résultat en termes d'attention du fait qu'à l'extérieur, il y avait, c'était particulièrement extraordinaire. On était en pleine rue, on était en plein sur le vieux port. Donc, les enseignants cherchent systématiquement des stratégies. C'est toujours très compliqué. Si on reste sur le registre de l'éducation populaire, vous avez des enseignants qui ont fait du débat mouvant. Ça vous parle un peu? Quand je parle d'éducation populaire, ça va. Les débats mouvants, en gros, l'idée, c'est que quand vous êtes prof, pour qu'ils restent attentifs, vous les mettez debout, les élèves, et vous leur dites, je vais dire des trucs, ceux qui sont d'accord, vous allez à gauche, ceux qui ne sont pas d'accord, vous allez à droite, ceux qui pensent que ça devrait être plus économique, vous venez devant, plus sociologique, vous allez derrière, etc. Et donc, ils font leur cours, et les élèves doivent bouger. Alors, ils doivent écouter. Ils doivent être attentifs parce qu'il n'y a pas de zone neutre et donc la position vaut position sur le thème. Et donc il y a des enseignants qui essayent de faire ça, mais ça ne marche pas. Hein, c'est parce que l'éducation nationale est une grosse machine qui a ses règles, ses modes de fonctionnement, il y a les parents, comment les administrations de l'éducation nationale interprètent les... Un exemple qu'on a eu, nous, c'était sur GAP, si vous voulez. C'était donc sur la plateforme, on a fait ça. On a fait, par exemple, ils font du débat mouvant sur la plateforme. Voilà, ça, c'est un espace de débat mouvant, hein, par exemple, d'accord, pas d'accord, etc. Et donc, on avait des enseignants qui allaient sur notre plateforme faire en sorte que les élèves se déplacent, qu'ils se mettent dans une zone d'accord, pas d'accord, plus ceci, plus cela, en fonction de ce qu'elle disait en cours. Donc ils dépassaient les élèves. Et au bout de la troisième fois, l'enseignante, elle s'est dit, mais c'est crétin ce truc. Je les fais manipuler leur avatar sur un truc, alors que je pourrais le faire en vrai. Et donc elle a amené ses élèves dans la cour. Elle est descendue dans la cour du collège, et dans la cour du collège, elle a fait son cours. Et les élèves devaient se déplacer à droite, à gauche, etc. Elle l'a fait deux fois et ça s'est immédiatement arrêté. Parce qu'il y a forcément, quand vous avez 25 élèves, ça veut dire que vous avez 50 parents, et il y en a forcément un qui dit « Excusez-moi, mais mon fils, vos cours, vous les faites dans la cour. Ça y est, c'est les vacances. On s'amuse. » Et après, vous avez l'administration de l'établissement qui va venir vous dire ça le fait pas, tout le monde vous regarde par la fenêtre, etc. Et d'ailleurs, ils ont, comme l'enseignante résistait, il a été établi que c'est interdit. Alors, j'ai appris un truc, hein, c'est que la cour du collège n'appartient pas à l'éducation nationale. Elle est administrée par le conseil départemental. Et la cour du lycée est administrée par le conseil régional. Et il y a une délégation, une autorisation quand les élèves sont en récréation ou quand ils vont à la cantine, etc. Mais on n'a pas le droit d'y faire cours. Enfin, il y a des trucs. Il y a quand même des textes qui sont là pour imposer le fait que l'élève, il doit être. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, elle est de Michel Serres, cul posé, bouche cousue. C'est Michel Serres qui disait ça, donc un philosophe qui est décédé maintenant il y a une dizaine d'années, je crois. Qui disait c'est un drame, c'est-à-dire les enfants, pour apprendre, il faut qu'ils bougent, qu'ils se déplacent, et en fait, l'école, c'est surtout ça. L'école, c'est plus de 20 ans pendant lesquels on vous dit reste assis et tais-toi. Ah, il y a eu des expérimentations, hein, vous connaissez freiner, etc. Mais je veux dire, en gros, cette injonction d'immobilité et de se taire, en termes d'attention, C'est juste une tuerie. Enfin, je veux dire ça. Il y a énormément d'élèves qui ne supportent pas. Dès que vous avez un élève un peu vif, un peu intelligent, etc., il a besoin d'exprimer ça, et là, vous l'éteignez complètement. D'ailleurs, la posture assise, hein, c'est la pire, hein, pour apprendre. Mais je vous dis ça, si vous avez des enfants en situation d'apprendre, etc., quand ils sont dans leur chambre, c'est debout. Et peut-être que vous avez entendu parler du et alors le mieux, voilà, si vous arrivez à les faire marcher, c'est ce qu'on appelle le palais de mémoire. C'est-à-dire, il y a une kinesthésie, enfin une mémorisation au niveau du corps.
Et il y a un truc qui a plus de 2000 ans, hein, je veux dire, qui s'appelle le palais de mémoire, où vous allez pouvoir mémoriser en fonction des déplacements du corps, etc. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a essayé de réinvestir dans des environnements de ce type-là, qu'on appelle des mondes virtuels. Et donc, on a des... Si vous voulez, on a des logiciels qui vont produire ce qu'on appelle des simulations de monde, et on va avoir la classe de maths, enfin une installation pour les maths de troisième, une installation pour l'histoire géo de seconde, etc. Et après, dans ces mondes virtuels, on va faire venir aussi des organismes de formation qui vont accompagner des bas niveaux de qualification, des techniciens, des ingénieurs. On a eu des ingénieurs qui sont venus travailler. On a, par exemple, l'IUT de Saint-Jérôme à Marseille. Les élèves sont venus apprendre ce qu'est une colonne de distillation en chimie en fabriquant une. Donc le pari est vachement intéressant, c'est-à-dire de dire... Il n'y a rien de mieux pour comprendre comment fonctionne un truc que de le fabriquer. Donc ils ont, dans ces mondes-là où ils ont la possibilité de construire, l'enseignant leur a demandé de construire une colonne de distillation. Et le projet, c'est que les gens de la maintenance des entreprises du pourtour des temps de Berre, et puis il y a beaucoup de chimistes, utilisent cette même installation pour que des professionnels de la chimie croisent des étudiants. Les professionnels, les agents de maintenance, ça les intéresse de croiser les étudiants et les enseignants parce que eux, ça leur permet de mettre à jour leurs connaissances. Et les étudiants, ça les intéresse de rencontrer des vrais professionnels parce que c'est un peu plus fun que simplement travailler sur des choses un petit peu théoriques. Et c'est quand l'étudiant rencontre un professionnel dans un monde virtuel qu'on fait métavers. Le métavers, c'est le hall de gare, si vous voulez. Nous, on a des installations où on a des collégiens, des lycéens, des entreprises, des enseignants, des chercheurs. Et quand on fait un événement de type culturel, etc., eh ben, vous avez tous ces gens-là qui viennent se rencontrer. Par exemple, avec le musée de Grenoble, on a fait la nuit imaginaire. Hein, on a refait l'exposition du musée, réinterprétée par des étudiants d'art plastique et des architectes. Et bien, quand toutes les personnes viennent dans cet environnement alors qu'elles ne se connaissent pas, hein, vous avez des collégiens, etc., c'est ce hub, hein, c'est hall de gare, c'est le fait de remélanger tout le monde dans ce type d'installation qu'on appelle le métavers. Et c'est très compliqué à faire, d'ailleurs, on n'y est pas encore. Enfin, le projet de Zuckerberg, hein, de Meta, c'est pas encore un métavers, hein, parce qu'on est encore dans la communauté Facebook. L'idée, c'est que, quand je vous dis que le jeu multijoueur en ligne, vous avez aujourd'hui, vous avez 3-4 jeux qui captent 60% de la population, et puis après, vous avez plein de jeux, hein, qui captent tout le reste de la population. Et l'idée, c'est que, avant que les jeunes, enfin, c'est surtout des jeunes, mais vu que ça existe depuis les années 90, le jeu en ligne, donc vous avez des différentes générations quand même. L'idée, c'est qu'avant que les gens se connectent sur leur ordinateur et lancent le jeu, que se connectent sur Internet et lancent le jeu. Et l'idée, c'est que quand ils se connectent dans un espace partagé. Ils se disent bonjour, etc. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ah ben moi, je vais jouer à Fortnite. Ah ben viens avec moi et hop, on va jouer ensemble, etc. Et donc, c'est ça, hein, le projet métavers. Et aujourd'hui, ce qui existe beaucoup, c'est l'exploitation des mondes virtuels. D'accord ? Attendez, je reviens. C'est l'exploitation des mondes virtuels. Mais on n'arrive pas encore à créer cet espace où tout le monde... Parce que les jeux sont complètement différents et fonctionnent avec des technologies complètement différentes. Donc on n'arrive pas à faire que l'avatar que vous avez créé dans tel jeu, on va pouvoir l'utiliser pour une sorte de jeu générique où les gens pourraient se rencontrer avant d'aller jouer. Et ce qui se joue, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on capte, quand vous allez sur Internet, que vous naviguez, que vous vous intéressez à tel site, que vous allez passer un peu de temps sur une image, sur un post, que vous allez regarder par exemple un site sur la technologie, lire un article sur... En fait, vous êtes catalogué, hein, c'est ce qu'on appelle le web, c'est le big data, hein, c'est le web 3.0. Et ce qui est attendu, c'est la possibilité de le faire dans le métavers. C'est-à-dire que quand vous avez un avatar dans un monde virtuel, non seulement
je peux capter ce sur quoi vous interagissez, mais je peux voir où votre regard se porte. Quand vous vous déplacez dans une rue virtuelle, s'il y a des commerces, je peux voir si votre avatar ralentit quand vous passez devant un truc de cinéma, ou si vous hésitez à rentrer dans un magasin virtuel, encore une fois, d'électroménager, etc. C'est-à-dire là, la captation de données commerciales est beaucoup, beaucoup plus forte. Et beaucoup, beaucoup plus puissante, on le sait, nous, parce qu'on utilise cette technologie pour faire de la pédagogie. Donc je vous ai raconté, en 2008-2010, on était dans les quartiers populaires de Vitrolles, justement, parce qu'on avait besoin d'avoir une technologie pour rassembler des gens qui, a priori, avaient du mal à se voir en vrai. Mais l'histoire commence, il y a une histoire qui commence avant, en avril 99, au lycée de Columbines. Je ne me rappelle pas de cette histoire, avril 99, Columbines, deux étudiants qui achètent des fusils suédois en carbone et pendant plus d'une heure et demie vont exterminer leurs camarades dans le lycée de Columbines. Et bon, c'est des tueries comme ça, il y en a tous les deux ans aux États-Unis. Mais à l'époque, il y a eu un gros émoi, ça correspondait à la sortie de Matrix et du jeu Matrix, et donc on se demandait si la violence des jeux vidéo n'avait pas incité des jeunes à confondre un petit peu le virtuel et la réalité, et donc ils ont débloqué 35 millions de dollars pour faire des études sur le risque d'être confronté à cette violence dans les jeux vidéo, et voir si cette confrontation à la violence a mené une violence réelle. Aujourd'hui, le débat n'est toujours pas tranché. Vous avez toujours deux camps. Vous avez des gens qui pensent qu'effectivement, quand vous jouez en ligne à des jeux violents, il y a une sorte d'accoutumant, de banalisation du geste violent. Et vous avez au contraire des psychologues qui disent que c'est un exutoire. Bon, ça permet, et donc les gens reviennent à la vie normale, avec moins de pulsions violentes. Donc aujourd'hui, le débat n'est pas complètement tranché. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'à la fin des années 90, 95% des jeux vendus et joués étaient des jeux de guerre, de violence urbaine, et qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on dit que c'est le jeu vidéo, c'est la première économie mondiale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 95%, c'est une économie qui est portée culturellement par la violence. Et donc l'idée, c'est d'avoir une proposition en termes de métavers qui soit éducative et soit, quoi on commence à beaucoup réfléchir, aussi culturelle. C'est-à-dire comment aller proposer quelque chose d'intéressant qui ne soit pas du ressort de la violence. Et qui est, en termes de définition, d'intérêt de jeu. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est le fait d'aller rentrer dans le jeu, de dire « Ah ouais, c'est super sympa » et tout, et d'y rester, de rester, continuer à y jouer, qui soit suffisante. Donc voilà un petit peu l'expérimentation telle qu'elle a été poussée pendant ces années, donc création d'Immersive Collab, donc est un incubateur en fait pour l'éducation nationale, donc depuis 2016, et voilà les laboratoires avec qui on travaille. Donc vous avez de la psychologie, de la sociologie, des neurosciences et de la logistique et de la didactique, et donc on mène des expérimentations pédagogiques avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, des doctorants, des salariés, des bas niveaux de qualification, et on a des chercheurs qui mesurent comment il faut faire évoluer cette technologie pour que la personne apprenne mieux, comprenne mieux, etc. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de ça qu'on a... Alors, on est toujours compatible avec les fameux casques de réalité virtuelle, mais on a abandonné ça au profit de... Ça, c'est les publications que vous trouverez sur notre site internet. Au profit de ça. Alors voilà. Par défaut, quand vous êtes dans le monde virtuel, alors ça c'est mon avatar, d'accord ? Et moi je suis devant mon écran, et vous voyez que la caméra, par défaut, elle est à une certaine distance
de mon avatar sur la gauche, au-dessus de l'épaule gauche, etc. Bon, ben ça, ça a fait l'objet d'un très gros travail de recherche, parce que c'est une sorte de position optimale de la caméra par rapport à mon avatar dans le jeu. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est là où c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de ces études qui ont été menées d'abord aux États-Unis suite à la tuerie de Columbine, où on a un certain nombre de chercheurs qui ont essayé de déterminer en quoi ces jeux violents amenaient de la violence au niveau des personnes les plus fragiles. La surprise pour tout le monde, ça a été de découvrir un mécanisme d'augmentation cognitive. Vous êtes plus intelligent quand vous apprenez dans ce type de jeu que dans la vraie vie. Au début, les Américains ont appelé ça l'effet fétiche de Latour. Alors c'est sympa parce que c'est une référence à Bruno Latour, le socio-anthropologue français, qui est décédé il y a 4 ans, je crois, qui avait dit depuis le début à propos de ces avatars qu'en fait, ils fonctionnaient comme des fétiches. Alors les fétiches, ce sont des objets transitionnels qu'on observe dans toutes les sociétés primitives, aussi loin qu'on puisse remonter, à peu près 6000 ans. Dans toutes les sociétés primitives, vous avez... Quand une fille devient femme, devient mère, quand un garçon devient chasseur, père, chef de village, etc., vous avez des rituels claniques, tribaux, familiaux, etc. Et il y a toujours, au niveau de ces rituels, des objets transitionnels qu'on appelle des fétiches, que souvent, à la fin, on brûle, hein, qui permettent d'ancrer psychologiquement et socialement un changement de statut. On appelle ça un fétiche. Et donc Bruno Latour disait que l'augmentation cognitive dans l'utilisation de l'avatar vient de ce mécanisme de fétiche. Et depuis, on est allé un petit peu plus loin, les neurosciences ont montré que ce qui se passe, c'est que en fait, quand vous regardez votre avatar en train d'apprendre, faire des maths, de la géométrie, manipule des concepts en histoire, en philosophie, etc., donc il y a des panneaux, des écrans, il se déplace, il lui-même les bouge, etc., le cerveau est embêté, c'est-à-dire qu'il voit bien que le joueur, avec les manettes, avec le clavier, il fait avancer l'avatar, il le fait reculer, tourner la tête à droite, à gauche, manipuler. Donc le cerveau n'arrête pas de se dire, mais cet avatar, c'est moi. Parce que c'est moi qui le... Et immédiatement après, il dit, eh ben non, c'est pas moi. Et donc on appelle ça une pompe empathie-sympathie. C'est-à-dire que le cerveau est sans arrêt distrait par le fait de dire quel est exactement cet objet par rapport à mon libre arbitre. Et cette pompe empathie-sympathie distrait le joueur et amène une augmentation cognitive, un peu comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les lycéens du lycée Saint-Exupéry, quand ils étaient dans leur géodésique en train de suivre le cours sur le Vieux-Port. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire c'est une mécanique de distraction qui fait qu'en fait, quand vous avez un avatar dans un environnement de ce type-là, vous êtes plus intelligent, c'est-à-dire vous avez une prise en compte des systèmes d'interaction des objets de l'environnement, et vous avez une attention portée à ce qui vous est enseigné qui est beaucoup plus contextualisée et beaucoup plus puissante. En plus, il y a un autre mécanisme qui va jouer, c'est que quand vous arrivez, donc vous avez un avatar, mais au début, l'avatar, vous allez le créer. L'avatar, c'est le personnage, hein, c'est... Vous voyez qu'on n'a pas tous le même look, si vous voulez. C'est-à-dire que vous imaginez, hein, vous êtes collégien, donc c'est une expérimentation qu'on a menée pendant 3 ans sur un collège à Gap. Donc vous êtes collégien, 15 ans, d'accord. Et puis, on vous propose pour suivre vos cours de créer un avatar. Alors, ils nous l'ont tous fait, hein, c'est-à-dire qu'au début, les avatars des collégiens, ils font tous 2 m 10, 110 kg, que du muscle comme ça. Les filles, c'est toutes des princesses. Mais en fait, quand elles vont... Le fait d'avoir un avatar qui est beau, qui les valorise, etc., ça va permettre une désinhibition, une implication dans les apprentissages qui est beaucoup plus forte. Et ça va les aider. Et donc après, on va, nous, les accompagner pour qu'ils puissent personnaliser leur avatar par rapport à des difficultés qu'ils ont pu identifier. Si jamais ils pensent qu'ils ne sont pas assez attentifs, créatifs, etc., on appelle ça l'effet Proteus. On va leur donner un avatar qui symbolise la créativité ou l'attention ou la réflexion ou l'ingéniosité, etc. Donc on va travailler un petit peu là-dessus au niveau de l'avatar, et il permet de toute manière cet avatar. Donc ça a été mesuré, hein, donc je vous ai montré tout à l'heure, vous trouverez sur le site d'Immersive Collab les publications des laboratoires que je vous ai signalé tout à l'heure.
on a pu démontrer comment cette désinhibition permet à l'élève d'aller vers les autres, de parler. Alors bien sûr, dans les apprentissages de langue, c'est très couru, parce que même quand ils rassemblent les élèves, quand ils font venir en bus les collègues italiens, etc., les élèves, ils n'osent pas parler. Mais là, comme ce n'est pas vous directement, hein, vous avez un médium, vous avez un avatar, ils ne se sentent pas en danger. Là, dans ce type de situation, effectivement, ils ont un peu plus de cran et ils osent parler. Donc voilà un petit peu, nous, les expérimentations qu'on a menées avec cette technologie qu'on appelle la réalité virtuelle immersive, qui consiste à exploiter des mondes, des mondes virtuels qui, quand on rassemble les gens, des gens différents, et donc là, ça, c'est des animations un peu particulières, font métavers, au sens où ça a été un petit peu dit dans la littérature. Et je, si vous voulez, après, je vous passerai un petit peu à l'explication de ces mécanismes. Vous dites qu'on devient plus intelligent. Est-ce que c'est pérenne, ce processus ? Non, c'est que comme vous êtes dans le monde. Mais alors, il y a un risque de confusion entre la réalité virtuelle et la réalité... Alors, sur la question de l'augmentation cognitive, oui, donc on a testé ça. Donc on a testé, on a pris des élèves à qui on expliquait une notion, d'accord ? Et après, des notions équivalentes avec d'autres élèves dans le monde virtuel, on a vu qu'ils comprenaient mieux. Hein, donc et on a bien compris les mécanismes qui se mettent en œuvre. Et c'est vrai que, du coup, les élèves développent une agilité qu'ils vont retrouver dans la vraie vie, mais pas avec la même puissance que quand ils sont dans le monde virtuel. Alors après, il y a ce que vous évoquiez, c'est la question de la confusion. Il y a une problématique, je veux dire, de toute manière, aujourd'hui, il est clair, je ne sais pas si vous... Ouais, il faudrait que je vous montre un peu des images de jeux vidéo, mais vous avez vu des films un petit peu récents, avec faits en images de synthèse ? Bon, vous en avez plein maintenant, hein. Je pense par exemple à Planète des singes... Oui, voilà, vous avez vu le niveau de réalisme des... Donc, ben, vous avez le même... En fait, cette technologie vient du jeu vidéo. Et là, vous avez quelque chose de très confusant, effectivement. Hein. On est dans une espèce de... On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. D'une manière générale, c'est un peu ce qui se passe. Hein, quand vous regardez un film. Quand vous regardez un film, vous rentrez dans le film. Enfin, vous laissez porter un petit peu. Hein. Donc là, on est déjà dans quelque chose de... Mais après, quand le film s'arrête, si vous voulez... Vous revenez à autre chose. Alors après, il y a des gens qui restent un petit peu, hein, dans la magie un petit peu du film, ou de, ça peut être une pièce de théâtre, etc. Mais c'est vrai que le niveau de réalisme et la puissance de ce qu'on appelait l'expérience utilisateur des jeux vidéo amène effectivement quelque chose de l'ordre de la confusion. Alors les gens ne sont pas complètement dupes de ça, hein, mais ça fait partie des risques, effectivement. Par contre, à contrario, ce qu'on a vu, nous, ce sont des jeunes... très timide, je parle des collégiens, des petits collégiens là, très timide, très n'osant pas parler, prendre la parole en classe, etc. Dans le monde virtuel, avec leur avatar de 2m10, tout musclé, etc., ils ont osé parler à leurs camarades, parler aux profs, et interagir dans le groupe, et dans la classe réelle, ils ont été plus à l'aise pour, en termes de désinhibition, et dans le rapport à leurs camarades. Par exemple, dans le monde virtuel qu'on a utilisé avec les collégiens et les lycéens, les avatars des élèves sont des adultes, comme les avatars des profs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, dans le lycée, ça se voit moins, parce que dans la réalité, ils commencent à ressembler à des adultes, mais au collège, les enseignants nous disaient que c'est vrai que quand ils travaillent en groupe, en vrai, dans la classe... Quand l'enseignant s'approche des élèves, les élèves se taisent. S'ils étaient en train de discuter, etc., il y a un effet... Et dans le monde virtuel, puisque les avatars, enfin, ils ont un petit peu le même statut, en définitive, les élèves continuent de discuter de ce qu'ils sont en train de faire, même quand le prof approche avec son avatar. Et ça, c'est très intéressant pour les profs, parce que les profs ont besoin d'entendre ce que les élèves disent entre eux, pour voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, etc. Oui. Ce que je comprends pas bien, c'est quand vous dites les élèves, ils ont des avatars. Okay, bon, ils sont en train de jouer. Ils
s'entraînent, oui. Ils jouent avec leurs avatars. C'est ça. Bon, et en même temps, ils parlent vraiment. Oui, oui, alors c'est quand vous dites pas, jouer, ils sont dans un environnement, par exemple, où il y a, par exemple, une exposition de maths. Ils ont construit une exposition de maths, donc ils y vont avec leurs avatars, tous. Donc ils sont en salle informatique, d'accord, ils sont devant les ordinateurs, ils ont des casques, ou alors ils peuvent être chez eux. Certains sont malades, ils sont chez eux, etc. Et ils voient leur avatar avec, au milieu des avatars de leurs camarades, comme tout à l'heure. Et puis, ben, c'est le cours, hein, un cours de maths, une exposition, etc. Et ils peuvent s'écrire, ils peuvent se parler, ils peuvent s'écrire et se parler en privé ou en public. Ils peuvent s'éloigner, se rapprocher, etc. Ils peuvent parler, ils parlent pas dans le... Dans le jeu. Ils parlent en vrai. Non, ils parlent dans le jeu. Dans le jeu. Ils parlent dans le jeu. D'accord. Ils parlent dans le jeu. Et des fois, il est arrivé qu'en salle informatique, eh ben, ils parlent entre eux, mais ça devient une cacophonie absolument terrible. C'est souvent le prof qui donne les consignes aux élèves, et dans le jeu, les élèves entendent les consignes. Mais les élèves n'arrêtent pas de faire les imbéciles. Hein. Ils font quand même le travail, mais ils n'arrêtent pas de faire des petites bêtises, etc. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la démarche pédagogique. C'est-à-dire le fait qu'ils s'amusent, ça les rend plus attentifs aux enseignements qui sont donnés. Et dans ce cas, ils ont une attention qui est plus longue que... Alors voilà, c'est-à-dire que comme ils plaisantent, etc., ils font des bêtises avec leurs vêtements, etc., et donc ça les distrait, ça les amuse, mais ils restent attentifs dans le jeu dans lequel il va y avoir le cours. Oui, pardon, vous dites. Oui, ça ne concerne que les activités intellectuelles, pas l'éducation physique. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a eu des expérimentations au niveau physique là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré une personne qui, architecte d'ailleurs, qui a eu un très grave accident de voiture. Et donc, ça a été une des premières expériences, mais aujourd'hui, ça se fait régulièrement. Une partie de sa rééducation s'est faite avec avatar. C'est-à-dire que vous êtes immobilisé, vous ne pouvez plus marcher, momentanément, hein, parce que. Et vous avez besoin d'une rééducation musculaire, hein, c'est-à-dire vous avez un kiné qui vient vous faire jouer les muscles, etc. Mais en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il faut aussi une rééducation au niveau du sensoromoteur, enfin au niveau du cerveau. Et donc, les gens, sur ce type de jeu, ont un avatar et le regardent courir. Alors, l'avatar court et vous regardez votre avatar courir. Et bien, en fait, le cerveau a l'impression que c'est vous. Ce qui va s'activer au niveau cérébral, en fait, c'est le même, on appelle ça les neurones miroirs, hein, le même système neuronal que celui qui est activé quand vous courez, et on a besoin de ça dans le travail de rééducation. Il y a des hôpitaux qui font ça ? Oui, il y a des hôpitaux maintenant qui font ça, et vous avez l'hôpital de Montpellier, mais ça c'est sur autre chose, pardon, sur l'hôpital de Montpellier, lui c'est sur la schizophrénie, eux ils utilisent ce type d'appareils pour l'accompagnement des schizophrènes. Donc vous avez une personne qui est devant un ordinateur, elle a un avatar, c'est lui hein, qui manipule l'avatar, c'est lui qui le fait parler quand il appuie sur le bouton parler, etc. On l'invite à gérer sa schizophrénie, son dédoublement de personnalité avec l'avatar pour mieux l'accompagner. Ils font des expériences. Bizarre, des fois. On ne comprend pas tout, mais pas que ça marche. Oui, pardon. Et sur l'utilisation pédagogique, alors ça veut dire que chaque élève est derrière un ordinateur, oui. Et il ne se parle pas, en fait... Alors, des fois, dans le protocole pédagogique, l'enseignant interrompt et fait une mise en commun, mais sinon, il se parle dans le monde. Et il se regroupe dans le monde pour se parler, donc il y a des mécanismes de réalisme, c'est-à-dire que la voix ne porte pas plus de 30 mètres. Donc, si mon avatar est près du vôtre quand je parle... Vous m'entendez bien, mais si je m'éloigne un peu, si je tourne la tête, vous m'entendez moins, etc. Donc ça invite. Donc ça, c'est techniquement, c'est pas facile à faire. Hein. Donc ça nous demande un travail de recherche technique, mais ça invite les élèves à utiliser des codes sociaux hein, de déplacement, etc., qui correspondent à ce qu'on a dans la vraie vie. Et si jamais je veux parler avec mes camarades, mais que si vous êtes par exemple la prof, je veux pas que vous m'entendiez, hop, je me mets loin. Et je discute avec mes camarades, et après, si la prof approche, on sait qu'au bout d'une certaine distance, elle va entendre, etc. Voilà. Ce sont des mécanismes de... Mais il y a toute cette question, quand même, d'un certain respect, quand même, de la vie privée. Les élèves ont la possibilité de s'écrire ou de se parler en privé.
et personne à entendre ce qu'ils se disent. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on est rattrapé par la loi là-dessus. Hein. La loi oblige à ce que vous ayez des espaces de confidentialité. Et comment a été évalué l'impact sur l'apprentissage? Ah ben, c'était nous, on a des séances d'apprentissage où les profs sont formés, etc. Donc, vous avez les chercheurs qui arrivent avec des caméras, qui posent les caméras, qui ont rédigé le protocole, qui ont vu l'équipe enseignante avant. Les chercheurs ont été présentés aux élèves. Donc, tout est filmé, tout est enregistré. Donc, on a des heures et des heures de vidéos, de textes, de traces, etc., qui ensuite vont être exploitées par soit des psychologues, soit des sociologues, etc. Donc, ils émettent une hypothèse en disant, par exemple, c'est la désinhibition qui a permis que, ou alors une autre hypothèse sur la motricité de l'avatar, etc. Et donc, ils vont explorer différentes ces situations. Mais c'est particulièrement bluffant, hein, quand vous avez une élève de SECPA. Alors, les SECPA, c'est les élèves au collège qui ont des difficultés d'apprentissage, hein. C'est avec la SECPA. Et quand vous avez une élève à qui on dit, on lui fait manipuler un concept et que dès qu'elle le manipule, elle dit j'ai compris, enfin, vous entendez, ça fait une sorte d'émotion, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à le comprendre en classe, et là, d'un coup, le fait qu'elle le manipule là, elle arrive à le comprendre. Donc on pousse parce que ça permet aussi de faire de ce qu'on appelle du rattrapage. L'éducation nationale n'a pas toujours les moyens de rattraper les élèves qui sont en difficulté de suivre le rythme, les protocoles, etc. Donc il faut bien trouver des solutions pour imaginer des possibilités. Enfin, c'est un principe d'égalité dans la société. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a sa chance de réussir dans ses apprentissages. D'ailleurs, c'est ce sur quoi nous travaillons. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à s'inscrire bénévolement dans ces travaux de discussion, de recherche, etc., nous, c'est ouvert, on est une association. Pendant le Covid, j'avais interrogé des enseignants qui témoignaient du fait que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, des élèves qui étaient tout à fait moyens, voire pas bons, oui, en classe, parce qu'ils n'avaient plus le poids du groupe, oui, devenait très bon, voire excellent. Ou le poids du prof, d'ailleurs. Des fois, c'est la figure d'autorité. J'ai eu plein de témoignages. Ouais. Et les vidéos, ces émissions de radio sont en ligne, vous pouvez les écouter. C'était vraiment bluffant. Moi, je ne croyais pas à ça. Et j'ai eu aussi l'exemple inverse. Des jeunes qui pétaient les plombs parce qu'ils étaient tout seuls dans leur environnement toute la journée. C'est ça, c'est ça. Une jeune informaticienne partie chez sa grand-mère, la compagne, pour avoir une compagne. Mais elle n'avait même pas de chat ou de chien à la maison. Oui, elle était seule. Oui, oui, tout à fait. Donc les gens craquaient. Ouais. Et à propos de métavers, à cette époque-là, il n'y avait pas encore, Internet, mais la caisse de retraite des cheminots, dont le siège social est à Marseille, était très embarrassée parce qu'il y a plein de bureaux qui gèrent les caisses de retraite des cheminots partout en France. Et dans chaque bureau, il y avait un équipement différent et un système de gestion différent. Et la caisse de retraite de Marseille, donc le siège de la caisse de retraite, nous avait demandé de faire parler ensemble tous les utilisateurs sans qu'ils sachent quelle application a été utilisée ni où ils étaient. Donc en fait, on avait développé une énorme base de données où tout le monde pouvait avoir accès sans avoir changé ses habitudes. Ouais. Donc c'était le pré-métavers. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais il n'y avait pas de... On développait des outils informatiques, mais à cette époque-là, on était encore à l'époque du Minitel. C'était dans les années 80. Mais il y a on parle des avatars, etc. Donc nous, il y a une règle. Hein, c'est les gens, quand ils créent un avatar, c'est leur prénom et leur nom. Tout le monde identifie qui est là. Mais il y a des vrais travaux, y compris on fait des accompagnements thérapeutiques. Enfin, des professionnels font des accompagnements thérapeutiques en utilisant notre technologie, où là, on va jouer sur l'anonymisation. C'est-à-dire que je crée un avatar, personne ne sait qui je suis, enfin, sauf il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sache, un médiateur, un régulateur, si vous voulez. Et là, il se passe des choses très intéressantes quand les gens sont présents. Il y a un avatar dans un environnement immersif, hein, mais anonyme. Donc, voilà, ils peuvent se permettre de dire des choses, etc. C'est là que ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il y a des... Pardon.
Exactement. Non, la voix, c'est la tienne. Hein, la voix, elle peut être déformée, on n'a pas encouragé ça, mais en principe, quand tu appuies sur un bouton, parler, donc tu parles, et les gens entendent ta voix. Donc, c'est des systèmes sont assez élaborés, hein, c'est du 7.1, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a une différence quand mon avatar te parle en face, si je tourne la tête, tu m'entends moins bien. Voilà, ça fait partie des codes qu'on a dans la vie. Enfin, la technologie est obligée de pousser, là, en fait, hein, pour qu'on ait un niveau de confort dans l'usage de ce type de technologie. Après, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur le niveau de réalisme des avatars. C'est-à-dire, plus ils sont réalistes, ben, plus ça mange de la ressource, hein, en termes d'ordinateur, etc. Et on a besoin quand même d'un niveau de réalisme qui soit assez confortable, sachant qu'on a eu des élèves, alors là c'était les élèves les plus fragiles, enfin le niveau collège, qui ont enlaidi leur avatar, à la fois au niveau des vêtements, donc là il y a eu un jeu un peu punk, hein, et à la fois des fois au niveau de la physionomie. Donc après on a essayé de les faire parler pour voir, bon, à l'adolescence, à la préadolescence, vous pouvez avoir des malaises, donc là on a interpellé les services de santé, etc., pour au moins aller s'assurer que ça cachait pas derrière un malaise trop important. Mais c'est la possibilité, voilà, ce type de monde là c'est la possibilité aussi de vivre quelque chose de différenciant. On a eu un petit collégien, il était en 5e. Toute l'année, il était un garçon, il était très à l'aise, il avait pris un avatar de fille, et rien, hein, aucune moquerie de ses camarades, il avait vécu toute son année scolaire avec son avatar de sexe féminin, c'était tranquille, c'était bien pour lui, ben, il a eu une expérience. Et justement, pour parler de sexe, je dirais, parler de jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo sont très violents. Et est-ce que les filles adhèrent aussi à ces jeux? Elles y viennent. Elles y viennent parce que vous avez la fratrie, vous avez les copains, c'est un petit peu ce que je disais. Hein. Vous avez même des garçons, hein, ils ne sont pas très à l'aise avec ces jeux, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais je vous dis, hein, quand dans la cour de récréation, tous vos copains, enfin, tout le monde parle que de ça, c'est difficile de pas rentrer dans le... Et quand vous rentrez dedans, c'est très très puissant. Enfin, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est très attractif. Hein. Vous avez envie d'y rester, et puis vous êtes pris, et on vous retient. Enfin, vous avez des gens qui bossent là-dessus, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Hein, l'économie de l'attention, c'est la première économie mondiale aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ce sur quoi tout le monde bosse, parce que ça va être le support de la publicité pour vous vendre des produits, etc. À propos de ressemblance, ça concerne plutôt les robots que les avatars. Et on serait capable aujourd'hui de fabriquer des robots qui soient exactement ressemblants à des personnes humaines. Il semblerait que le fait d'avoir des robots qui soient trop ressemblants à des personnes humaines est un reflet de rejet, donc d'effraiement des personnes qui sont à côté. Tout à fait. Ça s'appelle la vallée de larmes, l'une des mille vallées. C'est les Japonais qui ont découvert ça les premiers avec leurs robots ménagers, là. Et effectivement, en fait, le cerveau perçoit. Le cerveau perçoit quelque part que ce n'est pas vraiment quelqu'un. Et ça crée un malaise. Donc c'est ce malaise-là qu'ils essaient de contrer, justement, avec le fait d'avoir des codes de rupture par rapport au réalisme. Ceci dit, ben nous, on a des exemples où on en est à un stade aujourd'hui. Alors, pas sur les robots physiques, mais au niveau des avatars. Je vous mets au défi de dire, mais c'est comme dans les films, on en parlait tout à l'heure, hein, les films où vous avez de la réalité virtuelle, etc., des images de synthèse, des fois vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est. Vous avez un vrai acteur derrière, hein, mais vous avez du mal à savoir si c'est vraiment une image ou si c'est une image trafiquée. En fait, ce qu'on arrive à faire très très bien maintenant en simulation, c'est les défauts. Et en fait, c'est les défauts qui font le réalisme. Hein. Les dissymétries, les mouvements, l'éthique du visage, etc., qu'on ne perçoit pas consciemment, mais que le cerveau sait interpréter. Donc aujourd'hui, on a dépassé ça. Et on va vers de la confusion, effectivement. On va vers quelque chose qui va devenir de plus en plus confus. Est-ce qu'il y a des expériences métavers pour les personnes âgées?
Parce que là, vous nous parlez des enfants, enfin des alors, jeunes. Alors, nous, on s'intéresse beaucoup aux jeunes pour deux choses. Un, c'est les publics fragiles. Ouais. Et deux, il y a une problématique de rattrapage scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo est en train de faire un peu de mal à une certaine frange de la population pour les détourner d'activités éducatives, mais même culturelles. Je veux dire, ça fait quand même un peu mal de voir le nombre d'heures qu'ils passent. Parce qu'on a parlé du temps d'attention, je n'ai pas parlé du nombre d'heures, mais vous imaginez, vous savez vous avez des enfants qui sont morts parce qu'ils n'allaient même pas aux toilettes. Enfin, je veux dire, les temps d'usage, on est sur des volumes qui peuvent aller jusqu'à 40 heures semaine. Vous imaginez, devant un écran, à faire la guerre, 40 heures par semaine. Je pourrais vous donner un avis personnel, mais là j'ai la date de sujet, j'ai pas... Oui, ah, mais si, ça a dû être étudié, ça rentre pas, nous, dans le corpus de ce sur quoi on travaille. Mais il est clair que, par exemple, un des ressorts sur lesquels nous, on est, c'est la créativité. Vous mettez un enfant, même un adulte d'ailleurs, vous mettez en situation de créer quelque chose, de la pâte à modeler, etc. Ben, vous avez l'impression qu'il est focus sur son petit jouet, etc. Mais si là, vous lui parlez, et même un adulte d'ailleurs, il engrange énormément. Et d'ailleurs, si je vous disais tout à l'heure, si vous avez autour de vous des enfants qui ont du mal à l'école, etc., dites-leur, un, ne pas s'asseoir, et deux, jouer. S'ils ont des jouets, des personnages, des machins, etc., là, en même temps qu'ils apprennent, s'ils manipulent des trucs, c'est inouï ce que ça va déclencher au niveau cérébral. Et si en plus ils créent, vous savez, en classe, les élèves qui dessinent, qui se font tous punir. Mais la puissance cognitive que vous déployez quand vous êtes en mode de créativité parce que vous faites des ronds, etc., pendant que le prof parle, c'est juste c'est une furie. Enfin, je veux dire, on n'a pas idée. Et c'est rigolo parce que les profs se vexent. Enfin, c'est des travaux qui datent, hein. Mais les profs ne supportent pas. Alors que c'est complètement quelque chose à encourager. La pâte à modeler, des trucs, des Legos. Donner des Legos aux enfants pendant qu'ils sont en cours d'histoire, etc., qu'ils fassent des trucs, etc. Vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, mais c'est complètement faux. Et c'est vrai pour les adultes. Mais ce qui est bizarre avec l'éducation nationale, c'est que ce que je vous dis là, on ne l'a pas découvert en 2016. Hein. Je veux dire, c'est des trucs, on l'a toujours su. Ben, on attendait de compter sur les doigts. Alors que quand on était gosse, on faisait. Exactement, exactement. Moi, j'ai testé hein, des mécaniques d'apprentissage par palpation, comme ça. Vous avez des séquences en informatique. Vous avez des trucs à apprendre qui sont un peu... Mais essayez ça. Vous avez un truc à apprendre, un poème à apprendre, etc. Première strophe, deuxième strophe, troisième strophe. Physiquement, vous allez voir que votre corps est votre ami. Mais c'est ce que raconte aussi le palais de mémoire. Mais vous connaissez l'histoire du palais de mémoire, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le palais de mémoire, ça a 2000 ans, hein, ça... L'histoire, si vous voulez, c'est la Grèce antique. Alors, je ne sais plus exactement quelle période on est. On est avant Jésus-Christ. Hein. Et vous avez un banquet qui se fait. Et vous avez le clochard du coin, si vous voulez, qu'on ne veut pas inviter, mais qui réussit quand même à rentrer ben, pour manger un petit peu, etc. Et il chante une chanson. D'accord ? Alors, on laisse venir, etc. Et il va chanter une chanson. Il y a les invités qui sont là. Il va chanter une chanson, distraire un petit peu tout le monde, etc. Et au bout d'un moment, on en a marre, on le fout dehors. Et il y a un tremblement de terre. Et ça rigolait pas à l'époque, hein, c'était pas du placo. Et tout le monde est écrasé. Et donc, ils recherchent les corps. Et donc, c'est lui qui va venir. Et il va, pour identifier les corps, il va rechanter sa chanson. D'accord ? Donc, il y a la chanson. Donc, il se déplace. Il refait son tour, en fait. Hein, et il va dire, là, il y avait un tel. Il va continuer, là il y a un tel, etc. En fait, il va refaire son déplacement, il va refaire sa chanson. Et le palais de mémoire, le principe, mais ça vous pouvez le dire, hein, si vous avez des enfants autour de vous qui doivent apprendre, si vous avez un truc un peu cossu à apprendre, vous visualisez un endroit que vous connaissez bien, bah, chez vous, hein, etc. Donc vous dites, voilà, je suis devant l'entrée, mentalement, hein, je suis devant l'entrée, je pose le premier truc. Alors vous faites un lien,
je sais pas, ça peut être un parapluie, des chaussures avec ce que vous devez apprendre. Après, je rentre, je suis dans le hall. Dans le hall, je pose le deuxième truc. Ça, voilà, c'est mon manteau. Ben voilà, tel truc, ça, ben ça, c'est mon manteau. Donc, je fais un lien cognitif. Et je me promène dans la maison et je vais aller dans ma chambre, etc. Et le fait de cheminer mentalement dans un environnement connu va me permettre d'associer mon chemin, parce que le chemin c'est facile, hein, je rentre, je fais le tour de la maison, je vais dans la chambre, aux différents concepts que je dois apprendre. Et quand vous avez des championnats du monde tous les ans là, sur les gens qui retiennent 3000 décimales de pi, il y a des gens qui font ça, hein, on leur donne des annuaires, ils les apprennent, ben, à 95% ils utilisent du palais mental, hein, c'est-à-dire ils spatialisent leur pensée. Et c'est complètement ça ce qu'on propose, la spatialisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur quelque chose qui est très linéaire, je vais proposer de déployer en 3D, dans 3 dimensions, une notion. Parce que l'apparition de l'écriture, donc les Araméens, les tablettes d'argile, donc je crois qu'il y a 6000 ans à peu près, hein, les premières découvertes, hein, on n'a pas bougé, je veux dire. À l'époque, c'était sur de l'argile, d'accord ? Et après, ça a été du papyrus, du papier. Aujourd'hui, c'est sur Internet, mais on est toujours sur un format page, avec une écriture qui a une seule dimension. Parce que là, vous voyez une page en 2 dimensions, mais l'écriture, c'est une ligne, d'accord ? Alors, on a inventé au siècle dernier l'URL, c'est-à-dire que quand vous allez sur une page Internet, vous avez des mots en bleu. Vous avez vu que quand vous cliquez, pouf, vous basculez sur une autre page. Donc, on a inventé une deuxième dimension. Mais là, ce à quoi on réfléchit, et il y a y compris des littéraires, hein, enfin des créatifs qui réfléchissent à ça, c'est comment on pourrait écrire en 3D. Les architectes créent en 3D, hein, mais que pourrait être une écriture en 3D? Parce que le cerveau est beaucoup plus agile, en fait, hein, par rapport à ces notions de spatialisation. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus à l'aise, moi, si, à un moment donné, on m'explique que là, il y a tel élément de géométrie, là, il y a le cours théorique, etc., mon corps arrive bien à spatialiser les concepts. Ce qu'on m'a obligé à faire toute ma vie en lisant des documents sur des pages, etc., ça a demandé un reformatage, un effort, en fait. Hein. C'est très conventionnel, très superficiel. C'est absolument pas naturel, le fait de symboliser sur un dispositif unidimensionnel. Quand vous lisez un livre, c'est une écriture à une dimension. D'accord ? Vous pouvez vous positionner dans le livre en disant, au bout de tant de mots, de tant de lettres, d'accord ? Il faut juste une coordonnée pour me... Bon, c'est ça qu'on essaye de réinventer. C'est une nouvelle forme de... Les hiéroglyphes égyptiens avaient 3 sens. Exactement. Oui, ça. Le sens vulgaire, le sens sacré et le sens divin. Donc seuls ceux qui avaient cette capacité de lecture étaient capables de lire à ce qui était en correspondance avec leur état. Et donc on alors que le scribe qui écrivait la même chose pour tout le monde ne savait pas qu'il y avait ces 3 sens de lecture. Et donc ce que je voulais... sur quoi je voulais revenir, si vous voulez, c'est... voilà. Donc on travaille, nous, sur on simule des mondes, si vous voulez, qui ont la particularité d'accueillir un avatar. Donc l'avatar, c'est le petit personnage qui vous représente dans le monde virtuel et qui, lui, est immergé. Et donc là, on l'a vu ensemble, au niveau cognitif, c'est juste énorme ce que ça va déclencher. Et il y a des mécaniques de socialisation parce qu'on est sur du multijoueur. C'est-à-dire, j'y suis pas seul, j'y suis avec tous les camarades de ma classe, le prof, etc. Et ce qu'on a été amené à développer, c'est le mode multiconstructeur parce qu'en définitive, si je crée dans ce type d'environnement, je suis beaucoup plus attentif, créatif, je maîtrise les mécaniques de mon apprentissage. Donc ici, si vous voulez... Je suis dans une augmentation qui vient de la relation à l'avatar, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est l'effet fétiche de la tour, je regarde mon avatar apprendre et du coup j'apprends mieux que si j'apprenais directement moi, parce que c'est pas moi qui suis impliqué. Le multijoueur permet une sociabilisation, le fait de pouvoir d'être dans le multiconstructeur, ça me donne un pouvoir d'action, Spinoza qui disait ça, hein, je veux dire, le fait de pouvoir agir sur mon environnement, etc., ça me donne une intelligence du monde
qui est particulière, et surtout ce que le multiconstructeur amène au multijoueur, c'est le fait pour les élèves à qui on dit par exemple de construire une salle de classe ou un escalier. Une fois, un dimanche, j'ai vu un prof de maths de Marseille qui faisait travailler ses élèves, il leur faisait fabriquer un escalier. Et il disait, mais dans l'escalier, un escalier droit, même pas un truc en spirale, hein, il y a tout le programme de maths de troisième dans l'escalier. Je suis étonné de voir que dans les collèges, ils ne fabriquent pas des escaliers, même en bois ou en polystyrène ou en carton, on s'en fout. Le prof, il dit, si tu as fait un escalier, si tu fais un escalier, tu as les angles, les proportions, etc. Tu as tout le programme de... Fais faire des escaliers aux élèves, arrête de leur prendre la tête avec des exercices, etc. Et donc, et l'idée du multiconstructeur, c'est que les élèves ils vont s'aider entre eux. Et ça, ce qu'on appelle l'entraide, la réciprocité solidaire, au niveau cognitif, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a commencé par ça. Parce qu'à l'époque, à la Cité des Pins, à Vitrolles, c'était ça qu'on faisait, la réciprocité solidaire. On invitait les publics à s'entraider, à s'apprendre des choses les uns les autres, etc. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette technologie du métavers, c'est encore un ressort absolument fondamental, c'est-à-dire que les gens, comme c'est un petit peu technique, les gens ont du mal, et donc ils vont s'entraider, et ça, c'est juste très très fort dans les mécaniques sociales et pédagogiques. Et ce qui est assez formidable, parce que vous avez beaucoup de jeunes, collégiens, lycéens, qui jouent beaucoup en ligne, et des enseignants qui ne connaissent pas trop, c'est que souvent, quand l'enseignant il a du mal à se dépêtrer avec le jeu, c'est des élèves qui disent « Monsieur, faites contrôle, point, etc. » et qui donnent des astuces à l'enseignant. Et ça aussi, mais ça vous l'avez tous connu, hein. Quand à un moment donné, vous avez la possibilité dans la classe d'expliquer au prof ce qu'il faut faire, vous avez vu dans quel état ça vous met en termes d'apprentissage, de rapport au savoir et de par rapport à la classe. Donc voilà un petit peu. C'est ça ce qu'on ensuite, donc ça amène des niveaux de conscience, de présence, de pensée créatrice et de réciprocité solidaire, qui sont complètement moteurs dans les mécaniques d'apprentissage. Et on parle, nous, du coup, d'expérience utilisateur réflexive, c'est-à-dire, même dans la technologie du jeu en ligne, on est en train d'expérimenter avec ces dispositifs pédagogiques quelque chose d'assez original. Donc c'est là-dessus que les chercheurs écrivent, si vous voulez. Et d'ailleurs, les premiers lecteurs des recherches qui sortent de nos travaux sont les spécialistes des éditeurs de jeux. Parce qu'on les connaît, hein. Donc vous avez Ubisoft, etc. Ils embauchent des sociologues, des psychologues, etc. qui s'intéressent à ces mécaniques d'augmentation cognitive. Parce qu'on reste sur le registre de l'attention. Donc voilà, il y a une espèce de course, une espèce de guerre qui se livre entre les gens qui proposent des jeux violents aux enfants et ceux qui essaient de les rattraper pour leur faire faire autre chose, s'entraider pour construire des environnements éducatifs. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je vous explique que dans le monde virtuel, vous êtes plus intelligent, plus créatif, désinhibé, etc., vous voyez l'intérêt que ça porte, y compris pour les gens qui essaient de vous vendre des films, des tambours à gazon, des baskets de marque, etc. Hein, c'est-à-dire que c'est bien cette technologie-là qui les intéresse pour l'intégrer dans un Internet un peu plus performant, parce que là, la possibilité de vendre devient beaucoup plus puissante. Si l'outil permet de mieux apprendre, ça veut dire que l'outil permet de mieux manipuler. Et si je peux mieux vous manipuler, je peux mieux vous vendre. C'est un peu le rôle de la réclame, qu'on appelle aujourd'hui la publicité. On appelait il y a longtemps la propagande, mais oui, c'est la même chose. Alors du coup, ce que dit Stigler dans La Disruption, hein, qui est sorti en 2016, c'est qu'il dit non, c'est plus la même chose. Parce qu'avant, je disais, je vends des bouteilles d'eau. Ça intéresse quelqu'un, une bouteille d'eau, ça vous... Maintenant, ce qui est différent, c'est avec le Web 3.0, avec le Big Data, c'est que je suis capable... Je suis capable de savoir à quel moment tu vas avoir envie d'un soda.
d'accord, en fonction de ton profil, etc. Et je vais te proposer le soda à ce moment-là. Et ce que dit Stigler, enfin, je vous invite à le lire, mais enfin, ce n'est pas très optimiste, hein. Ce qu'il dit, lui, c'est de dire, le fait que je vienne te saper ton désir, c'est-à-dire que j'anticipe sur ton envie et je te propose le soda à moitié prix. C'est-à-dire que tout ce mécanisme qui consiste à dire « Ah, j'aurais bien envie... » Enfin, c'est la vie, ça. J'ai envie d'une glace, j'ai envie d'une bière, etc. Je veux dire, ça émerge, ça mature. Après, vous dire « Je vais être raisonnable. » Mais ça, c'est la vie. Mais si jamais je viens vous enlever cette mécanique du désir, ben, je vous tue. Stigler, ce qu'il dit, c'est que c'est létal. C'est une mécanique létale. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on le vit aujourd'hui avec Internet. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le Web 3.0. Mais quand ça va arriver sur le Web 4.0, mais c'est une tuerie. De la même manière que nous, on arrive à faire en sorte que des élèves comprennent mieux, s'engagent, persévèrent, s'entraident, etc. Et bien, avec la même technologie, qu'est-ce que d'autres sont capables de faire? Ce sont des outils qui sont utilisés par tous les publicistes, non pas au travers d'Internet, mais quoique, mais surtout à la télévision. Et on voit bien les publicités qui sont proposées en fonction de l'horaire, du programme qui est avant, du programme qui est après. Donc les publicités sont vraiment ciblées vers les publics qui sont en train de regarder tel programme à tel moment. Tout à fait. Mais là, sur Internet... C'est pas pour rien que le matin, il y a plein de dessins animés entre 6h et 8h du matin, parce que les mamans elles sont en train de s'occuper à la maison, elles collent le gamin sur un fauteuil devant un dessin animé, et en même temps, le gamin, ben, on lui donne envie d'avoir le Pépito, d'avoir les Lego, enfin, je ne sais quoi, mais on lui stimule plein d'envie. Ouais, et après, il harcèle sa maman en disant, je suis un con si j'ai pas. Tout à fait. Mais, non, mais ça, c'est très grave. Hein. Je veux dire, c'est pas très joyeux, mais faites-le ça. Regardez les pubs. Regardez, prenez un jour une heure et regardez les émissions pour les enfants. Non mais c'est notre responsabilité d'adulte. Il faut qu'on, même si on ne peut rien faire, il faut qu'on soit au courant. C'est comme les jeux en ligne. Allez voir, vous allez taper sur YouTube, vous tapez Fortnite. Allez, tapez Fortnite, vous allez voir des petites vidéos, ce qu'ils postent les jeunes. Rendez-vous compte, sachez ce que c'est. Allez voir les... Moi je l'ai fait, hein. C'est atterrant, hein. J'ai regardé 10 minutes d'une émission le matin qu'on met pour les enfants. Mais vous allez vous faire peur. Je veux dire, c'est inouï. Je veux dire, et comme tu dis, c'est, bon, on met les enfants devant la télé parce qu'on a des trucs à faire, etc. C'est très intéressant aussi de regarder les pubs sans le son. Vous allez voir la force des images. Lorsqu'on a le son en même temps, on capte tout et c'est lourd à décortiquer. Donc si on prend la peine de regarder des images sans le son, on voit bien, on peut plus facilement décortiquer le message qui est transmis. Ça veut dire que l'effort est appelé à disparaître. Le quoi ? L'effort. Alors ça, c'est encore autre chose. Pour le coup, ce que la technologie du jeu en ligne, etc., amène, c'est qu'il y a quand même une quête. Hein, c'est-à-dire que quand vous jouez en ligne, on vous demande quand même de réfléchir, de faire des choses, etc. Le problème, c'est tout le décorum hein, en termes de violence hein, qui pose question. Mais là, par contre, voilà, là, il y a une sorte de défi, hein, de le jeu. Il y a vraiment des niveaux de difficulté que vous devez... Donc ça, pour ça encore, le jeu en ligne, c'est quelque chose qui promeut une certaine implication, même intellectuelle, etc. Voilà. Par rapport à ce qu'on a connu et qu'on a beaucoup critiqué à l'époque, hein, c'est la télé, hein, où vous êtes complètement passif devant un écran, aucune interaction possible, etc. Ça, c'était... Oui, tout à fait. Monsieur. Non, ce qu'on se disait, c'est... Pardon. Par exemple, dans les entreprises, est-ce que on se trouve du métavers ? Alors aujourd'hui, ce qui intéresse au niveau des entreprises, il y a deux choses. C'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques, d'accord ? C'est-à-dire que je vais créer, ben, comme là, je vous parlais tout à l'heure d'une colonne de distillation. Donc il est clair que les étudiants de
Saint-Jérôme n'auront jamais la possibilité de manipuler une vraie colonne de distillation, parce que c'est, un, c'est dangereux, ça coûte très cher, personne ne va les laisser approcher, etc. Donc là, le fait d'utiliser des simulations, ça permet de leur permettre de manipuler sans risquer de casser. Enfin, en tout cas, c'est un jouet, hein, c'est pour de faux. Et ça permet aussi de faire toutes les formations dangereuses. C'est-à-dire, quand vous devez manipuler des objets dangereux, des machines dangereuses, etc., ils apprennent sur des simulateurs plutôt que sur des vraies installations, sinon ils se mettent en danger. Donc là, pour ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Et après, ce qu'on essaye de pousser un peu, c'est des réunions qui ne se font pas forcément comme on le fait en visio, comme tu disais, là, les devoirs, mais de façon beaucoup plus immersive, où les gens sont ensemble et peuvent manipuler des documents, etc. Donc ça arrive dans l'entreprise par le biais de la formation. Parce que des fois la formation, ben, c'est trop dangereux de mettre les gens en situation réelle, parce qu'ils se mettent en danger en fait. Hein. Et voilà, c'est surtout ce qu'on appelle, ça des jumeaux numériques en fait. Hein. On reproduit des installations industrielles qui existent par ailleurs, mais qui sont moins coûteuses ou moins dangereuses à utiliser. De toute manière, les jeux en ligne, enfin tout ça, ça a commencé dans les années 90. Donc les gens qui étaient ados, joueurs dans les années 90, ils ont continué à l'être. Donc on est sur la génération suivante. Donc aujourd'hui, l'éventail des gens qui connaissent cette culture, etc., il ne se résume pas aux simples ados, en fait. Hein. Et il y a des adultes qui jouent en ligne, et qui jouent avec leurs enfants. C'est vrai, mais psychologiquement, on n'a jamais cherché à exploiter. Vas-y. Oui, ça c'est nouveau. Oui, c'est des études récentes. Qui ont montré tout l'intérêt d'utiliser ce genre d'environnement. Ça, c'est un peu dangereux, non ? Ben, nous, on en a conscience. De toute manière, les travaux qu'on fait, nous, les autres le font aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est en être averti, être alerté là-dessus, et proposer, encore une fois, aux enfants des environnements qu'ils aiment, mais pour faire quelque chose de plus éducatif ou de plus culturel. Oui, je pense que c'est un peu personnel, mais je suis partagée entre l'intérêt que ça peut représenter et d'un autre côté aussi cette idée, mais j'ai l'impression d'être old school en disant ça, mais que, comme s'il nous faut des outils de stimulation absolument pour pouvoir susciter un intérêt, c'est sans fin, enfin, ça me fait peur quelque part, mais Oui, mais... C'est une question que je pose. Oui, mais ouais. Moi je vous la pose la question. Vous êtes allée à l'école ? Je suis prof. J'allais vous dire, vous en avez pensé quoi ? Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je reviens à l'expression de Michel Serres, hein, qui posait... Enfin, il y a une injonction éducative dans l'institution, éducation nationale, d'accord, qui est à l'immobilité. C'est-à-dire, je suis assis, je ne bouge pas. Vous avez vu qu'en maternelle, on sort de ça, hein, je veux dire... Mais après, re-rentre. Ça dépend des disciplines, peut-être, mais l'immobilité, c'est pas immobile, quoi. Ouais. Ils s'expriment beaucoup, les élèves. Quelle matière aussi ? Oui, bon, moi, c'est une matière très... c'est les sciences, donc ils font beaucoup de choses, mais... Et ils ne disent plus. Oui, mais enfin, j'ai jamais des élèves immobiles devant moi. Non, mais on est d'accord sur... Il y a une injonction au fait d'être sage. Tu es assis, tu te tais, tu écoutes, tu... Oui. Ouais, sinon, c'est ingérable. Il faut... Oui, voilà. Mais c'est pas... Alors après, il y a... Voilà, il y a d'autres types d'enseignement, mais qui sont très, très, très compliqués. Hein. C'est les sorties scolaires, aller en extérieur, manipuler des objets, etc. Au Canada, ils font des classes où ils font des ateliers menuiserie. Les enfants, ils manipulent des tronçonneuses. Vous imaginez ça ? Enfin, même pas un enseignant on le laisserait s'approcher d'un outil comme ça. On ne se donne pas forcément les moyens. Mais c'est pas de votre faute, hein. Je veux dire, c'est le dispositif éducation nationale. Mais moi, j'ai vu des enseignants, beaucoup d'enseignants innover. Il faut voir la violence, la brutalité des collègues, des parents. Je veux dire, chez les parents, il y a une souffrance des fois par rapport à l'éducation nationale. Ça ne s'est pas très bien passé. Et ils surveillent leurs enfants. Ils sont très réactifs quand leur enfant rentre et dit « Ah ben, on a fait ça aujourd'hui. Ben, » Je vous ai raconté l'histoire du débat mouvant tout à l'heure, mais je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait une proposition pédagogique qui était absolument formidable. Ça s'est arrêté immédiatement parce que ça a été mal interprété par un parent. De manière plus dramatique,
d'utilisation par l'enseignant des caricatures. Oui, alors voilà, après on part sur des choses. C'est la même chose. C'est ça. C'est des outils de l'enseignant et de la réception par les enfants et par les parents. Mais vous êtes enseignante, mais vous en pensez quoi de ces histoires de temps d'attention de... Oui, ça je le remarque, c'est très compliqué, mais susciter l'intérêt, il faut poser les bonnes questions, pourquoi est-ce que... Enfin, j'ai l'impression, oui, c'est comme s'il faut maintenant que l'apprentissage soit avec des jeux, avec des... Alors nous on ne gamifie ça, pas. Oui, mais, on ne fait pas de gamification, on ne fait pas du jeu. Oui. Mais ils sont dans un environnement où ils vont créer... par exemple, ils vont créer un cube, d'accord ? Ils vont créer un cube et ils vont voir que s'ils augmentent de 10 cm un côté, ils voient immédiatement l'augmentation du volume du cube. C'est une notion en mathématiques qui n'est pas évidente, hein, mais voilà, c'est le fait de pouvoir manipuler. C'est le genre de choses que vous pouvez faire dans un monde virtuel que vous allez avoir du mal à faire en vrai dans la classe. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu dans le film, voilà, ça, c'est pour des doctorants. Hein, ils manipulent des molécules, comme des atomes, des molécules, etc. Voilà, il y a des, voilà, l'outil permet de manipuler des objets que vous ne pouvez pas manipuler. Alors, vous les visualisez, vous pouvez les manipuler, les bouger, tirer, etc. Donc, et ça, c'est très important, le fait de pouvoir... cet accès à la déformation, au déplacement. Dans le monde animal, l'apprentissage se fait par le jeu. Les mamans, je me suis longtemps intéressé à l'éducation l'éducation canine, et la maman apprend à ses petits, mais au travers du jeu. Et quand elle les mord, elle leur montre comment il faut mordre. Lorsque la lionne ne montre pas à ses petits comment il faut tuer, elle lui montre à quel endroit il faut mordre et comment. Alors, cet exemple ne tient pas pour les poules, parce que la maman poule meurt au moment de la naissance de ses enfants. Et donc les bébés poules n'ont pas de transmission héritage. Donc, ils réapprennent tout seuls et de manière extraordinaire. Les petits poulpes reproduisent exactement les mêmes choses, les mêmes stratégies que des poulpes plus âgés. On renferme par exemple un poulpe dans un bocal, qu'il soit jeune ou très âgé, il va avoir les mêmes techniques et les mêmes stratégies pour sortir du bocal ou pour sortir de la cage. C'est absolument extraordinaire. Mais chez les chiens, par exemple, il y a cette transmission... maternelle. Ça met par le jeu. Mais après, on fait ça tout le temps. Nous, on va voir les enseignants dans les établissements, et on se met autour de la table et on réfléchit à c'est quoi votre problème, comment vous pensez qu'on peut le résoudre, etc. Voilà, donc on est sur des choses très particulières. J'ai parlé des SECPA, j'ai parlé des maths, j'ai parlé de la question de l'attention, j'ai parlé de certains élèves trop inhibés, etc. Voilà, donc on, c'est avec les enseignants et les chercheurs hein, qu'on cible sur des... Donc ma démarche, ce serait de venir vers vous et de dire, bon, c'est, votre enseignement, ça se passe super bien, mais où est-ce que vous pourriez avoir un plus à utiliser ce type de technologie ou autre chose, et comment est-ce qu'on peut le faire. Mais oui, de toute manière... Distribution de Lego la semaine prochaine. mais de toute manière, oui, c'est... L'apprentissage, c'est pas naturel. Enfin, je pense, hein, c'est pas naturel. Il faut de l'instrumentation. On a des outils, on a des méthodes, et... Ça, c'est facile pour un certain nombre. En fait, les outils et les méthodes. Pour d'autres, il faut. Les autres, ils ont le droit quand même à ce qu'on leur donne toutes leurs chances. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 10 au centre de dyslexique. Hein. Ils peuvent être 10, ils peuvent être mal à l'aise, inhibés, timides, etc. Ben, eux aussi, il faut qu'on leur donne toutes. Les outils et les moyens d'enseigner sont imposés par l'institution, appris par l'institution et ensuite imposés par l'institution. Tout à fait. L'enseignant n'a pas toute la liberté qu'il veut, dont il voudrait souhaiter. Sa classe,
Pardon ? Tout le monde est maître dans sa classe. Pas tant que ça. Et ils se plaignent beaucoup, hein, les enseignants, de ne pas... Et de toute manière, il y a une... Il y a une circulaire, enfin, il y a une étude qui est sortie qui dit très clairement qu'un enseignant qui fait de la pédagogie, c'est-à-dire qui met en place un dispositif, etc., ne peut pas faire le programme en entier. L'enseignant qui fait le programme qu'on lui demande de faire en entier ne peut pas mettre en place des dispositifs pédagogiques, etc. Donc c'est formidable que l'Éducation nationale ait évalué ça et dise « mais on ne change rien, on laisse les programmes ». C'est comme tel. C'est-à-dire, c'est mettre tous les enseignants en situation d'échec quasiment, hein, de souffrance terrible. Ça fait beaucoup que ça dure, non ? Oui. Mais moi, quand je dis que l'élève, il n'a que 20 minutes d'attention par jour, etc., moi, ce que je c'est la détresse du prof. Hein, vous imaginez, prof dans cette situation-là. C'est... Et le jeu vidéo vient là-dessus. Hein, c'est-à-dire que vous avez des élèves, ils ont 20 minutes d'attention dans la journée, ils rentrent chez eux, ils se mettent sur l'ordinateur, ils vont jouer 7 heures d'affilée. Et le lendemain, vous le récupérez, fatigué, etc. Donc, pas d'intention, s'il est fatigué. Oui. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire, parce que ça va dans le sens de ce que vous dites. J'ai un petit-fils qui a été un cancre au collège, mais alors il s'emmerdait, en fait. Mmh. Oui. Bon, on l'a viré du collège, enfin, poliment, mais on l'a viré. Oui. Et il est allé dans le technique. Et dans le technique, bah, écoutez, il a été complètement transformé. Parce qu'il ouais. a choisi une branche où on l'a mis à manipuler des trucs, à faire des simulations sur ordinateur, à faire un tas de trucs, et je vous assure, ce gamin, il c'est plus le même. Il a complètement changé. Ouais, mais, peut-être c'est plus concret pour lui, il a manipulé les portes. Non seulement d'intervention. Pour les établissements qui participent à l'expérimentation, ils ont été choisis, ils se portent volontaires. Ouais, ils se portent volontaires. Hein. Il faut vraiment qu'ils se portent volontaires. Et les demandes, voilà, ça tourne autour de ces questions, effectivement, ces problématiques d'attention, de public, parce que c'est une souffrance pour les enseignants aussi, hein, de voir qu'il y en a quelques-uns dans la classe qui ne suivent pas, qui n'arrivent pas. Donc oui, pour le coup. Et donc on incube des expérimentations, après c'est évalué par la recherche, on les reproduit. Qui a envie de participer à une expérimentation ?